L'érosion de la biodiversité, en nutrition, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'agriculture et ça devient, c'est un sujet assez intéressant d'ailleurs. J'invite les jeunes à s'intéresser à l'agronomie, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Ma présentation sera sur quel type d'agriculture pour sauver, préserver la biodiversité dans la moyenne vallée du Zambèze et ailleurs. Donc, je prendrai le cas de la moyenne vallée du Zambèze, pour en faire un papier qu'on a publié récemment avec des collègues du CIRAD. Mais je parlerai plus largement en fait, de l'impact que notre agriculture, que notre consommation, hein, que nos systèmes agroalimentaires ont sur la biodiversité. Et j'essaierai de challenger un petit peu certaines des vues qu'on peut avoir là-dessus. Moi, je travaille donc pour le CIMIT. Le CIMIT, c'est le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé. Donc, ce n'est pas un centre français, c'est un centre international. J'ai travaillé dans le passé avec le CIRAD et j'ai fait ma thèse avec le CIRAD. D'ailleurs, sur le site que je vais présenter, c'est ma thèse qui est financée par le CIRAD de là-bas. Mais c'est un centre international. Le siège est basé au Mexique. Et on a des bureaux dans plusieurs pays, donc bien sûr le Mexique, l'Éthiopie. Ma collègue Rahel Assefa nous visite depuis le CIMIT, qui est parfaitement francophone d'ailleurs, depuis le bureau du CIMIT à Addis Abeba. On a un bureau aussi au Kenya, au Zimbabwe bien sûr, en Inde, au Bangladesh, c'est nos principaux bureaux. Voilà, j'en dirai un petit peu plus si vous voulez sur le CIMIT après. Je vais demander la prochaine. Voilà, donc c'est une présentation de vulgarisation. Hein, donc je commence par vraiment une image que s'il y a des parents dans la salle, vous avez tous une phase dinosaure, j'imagine, avec vos enfants. On se spécialise un peu dans les dinosaures, les enfants sont très intéressés par les dinosaures. Donc, probablement, vous savez que les dinosaures ont disparu avec une extinction de masse il y a 65 millions d'années. Donc voilà un événement tragique que beaucoup d'enfants et de parents, à un moment donné, s'intéressent à cet événement. Ce que vous ne savez peut-être pas, vous savez effectivement qu'il y a aussi une érosion de la biodiversité en ce moment, mais ce que peu de gens probablement savent ou alors arrivent à considérer, c'est que c'est vraiment un événement qui a une magnitude similaire en fait à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc à l'échelle géologique, c'était en fait une perte de biodiversité qu'on est en train de vivre maintenant qui est extrêmement rapide et qui est vraiment aussi rapide que voilà, ces dinosaures qui ont disparu du suite, très probablement de l'impact d'une comète. Donc ça, c'est le WWF publie fréquemment donc un rapport qui s'appelle Living Planet. Et donc sur ce rapport, il y a une analyse qui est faite sur à peu près 4000 espèces de vertébrés. Donc on suit donc l'évolution de ces 4000 espèces de vertébrés à travers le monde. Et donc il y a un index global qui est bâti pour vraiment mesurer l'évolution de cette biodiversité. C'est qu'on en a croissement en baisse. Et ce que vous pouvez voir, c'est que depuis les années 70, depuis 1970 jusqu'à 2016, en fait, on a perdu à peu près 68% de ce Living Index. Donc vraiment une érosion massive en fait, de la biodiversité. Si je peux avoir la prochaine clique. Et donc forcément, très très important cette érosion de biodiversité, puisqu'en fait, on pourrait dire, voilà, comme ce personnage ici, la biodiversité m'en fout, mais cette biodiversité soutient énormément de processus dont on dépend de façon indirecte, mais de façon très très liée. Donc l'agriculture, la régulation du climat, etc. Donc notre mode de vie est vraiment très très, très, très lié à cette biodiversité, et la biodiversité, basiquement, sous-tend un certain nombre de processus qui sont basiquement absolument importants pour maintenir la Terre dans le seul système que l'on connaît et qui peut basiquement supporter l'humanité telle qu'on la connaît, notre civilisation, l'agriculture telle qu'on la connaît. Si on parle des 2, 3, 5 degrés dans par régulation, on ne sait pas du tout si on peut maintenir la civilisation telle qu'on la connaît, notre agriculture telle qu'on la connaît. J'ai toujours été fasciné depuis que je suis enfant par vraiment tous ces liens entre la biodiversité et comment la biodiversité soutient tous ces processus à l'échelle de la planète. Il y a vraiment des choses qui sont assez fascinantes. Bon, on sait que les forêts tropicales, par exemple, sont très importantes pour la régulation du climat, à la fois pour capturer le carbone, mais aussi pour tous les effets sur l'adaptation à l'albédo, etc. On a démontré que les baleines bleues et autres étaient très importantes dans le recyclage des nutriments et même dans le maintien du cycle du carbone et du
climat, de température du globe qu'on la connaît. On a même démontré, quand les loups ont été réintroduits dans le Yellowstone, que ces loups pouvaient avoir un impact sur la forme des rivières. Donc les loups ont été éradiqués. En réintroduisant les loups, ça a permis de réduire la consommation par les cerfs de toutes les plantes qui étaient autour des rivières, de ramener en fait tout un maintien des berges, de ramener donc ces méandres, etc., de permettre de restaurer vraiment tout un écosystème riverain grâce à la présence de ces prédateurs. En fait, ces prédateurs sont extrêmement importants aussi dans l'écosystème et peuvent vraiment soutenir des processus dont, en fait, in fine, on va dépendre en tant qu'humanité. Donc, évidemment, les aires protégées sont très importantes pour maintenir cette biodiversité. Donc là, ces taches vertes représentent toutes les zones protégées au niveau de l'UICN. Donc, on parle vraiment des zones protégées strictes. Donc, UICN 1 et 2, ce serait encore moins que ça, hein, ce serait probablement moitié moins que ça. Donc, en fait, vraiment, en termes de zones protégées strictes, à peu près 5% de la surface terrestre est en zone protégée stricte. Donc, ça veut dire que la plupart de la biodiversité, la plupart de ces espèces qu'on souhaite protéger, est en fait en dehors des zones protégées, et bien souvent elles se trouvent dans des paysages où le principal mode d'occupation des terres est l'agriculture. Très souvent, c'est donc les agriculteurs, les gens qui vont utiliser la biomasse végétale, qui vont, voilà, ouvrir les champs, cultiver, avoir des vaches, etc. Donc en fait, l'agriculture, donc cette biodiversité est vraiment en contact dans la plupart de ces paysages avec l'agriculture. Si je peux avoir la salle suivante. Et bien sûr, l'agriculture en elle-même, mais l'augmentation de la production agricole, qui se passe par l'intensification et l'extensification, et on pourrait dire que c'est un petit peu l'astéroïde de nos jours en termes de biodiversité, cet astéroïde d'il y a 65 millions d'années qui a causé l'extinction des dinosaures. C'est probablement le facteur qui a le plus d'impact sur la biodiversité en ce moment. C'est probablement le principal driver de cette érosion de la biodiversité qu'on est en train d'observer. Donc, bien sûr, par la destruction de l'habitat, aussi évidemment en tant qu'agriculture, on va enlever certaines espèces qui sont considérées comme des ravageurs, comme des pestes, etc., comme par exemple ce qui se passe avec les loups, etc. On ajoute d'autres espèces qui souvent ne sont pas issues de ces écosystèmes, qui sont souvent exotiques. Hein. Les bovins, par exemple, ont été montés domestiqués au Moyen-Orient, les tomates ne sont pas originaires de l'Afrique, etc. Donc souvent, ces espèces cultivées ont des traits différents. Hein. C'est des espèces qui sont très différentes des espèces qu'on a enlevées de ces écosystèmes. Et on modifie aussi un certain nombre de cycles de nutriments, cycles de l'eau par pompage, drainage. On va rajouter, bien sûr, par les engrais, un surcroît de nutriments qui peut vraiment affecter aussi tout un écosystème. Bien sûr, l'utilisation de pesticides et d'autres biocides a un impact aussi direct sur l'biodiversité. Alors, moi, je vais parler un petit peu des cultures de rente maintenant, en termes d'agriculture. C'est devenu, en fait, on pense souvent que l'accroissement des populations, c'est vraiment, dans les zones rurales, par exemple du Zimbabwe, c'est vraiment le principal moteur de l'expansion agricole. Ce n'est plus le cas. Ça fait maintenant plusieurs décennies que vraiment, ce sont les cultures de rente, donc ces cultures qui ne sont pas produites pour la subsistance, mais qui sont produites pour le marché, sur le marché national, voire même international, c'est vraiment devenu le principal moteur de la déforestation dans les pays du Sud. En fait, je vais avoir le clic suivant. Et évidemment, ce qui se passe en fait à l'échelle planétaire, c'est que en Europe, en France, par exemple, on regagne beaucoup de forêts. Hein, on est en train de reforester nos paysages. On regagne aussi certaines espèces. Hein, quand on est parlé du retour du loup, etc. Donc tout ce rewilding qui prend part en Europe. Donc il y a une forme de déplacement en fait de l'agriculture des pays du Nord vers les pays du Sud. Avec un impact effectivement qui est très fort pour les pays du Sud, puisqu'donc on importe dans le Nord beaucoup plus de produits agricoles qui ne sont plus produits localement par le Nord, mais qui sont produits par les pays du Sud. Et donc évidemment, importer tous ces produits agricoles du Sud, c'est équivalent en fait écologique d'exporter une empreinte, d'exporter des dangers sur la biodiversité, des menaces sur la biodiversité. Il y a ce papier qui est sorti récemment, qui est assez intéressant, qui montre que chaque habitant en fait, dans un pays du Nord cause chaque année la déforestation. Enfin, 4 arbres sont perdus chaque année du fait de la consommation. 4 arbres sous les tropiques, hein, dans les pays du Sud.
perdu chaque année du fait de notre consommation, de ces importations. Si tu peux avoir le clic suivant. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Glasgow avec la COP dernièrement. On a beaucoup parlé en fait de ces cultures de rente, énormément. Pas assez d'ailleurs de tout ce qui était fossil fuel, je pense. Hein, c'est un petit peu le mouchoir rouge pour divertir probablement le débat sur les cultures de rente. On a beaucoup parlé des cultures de rente et du problème en fait de déforestation importée. Et donc c'est vraiment un problème qui est d'actualité. Si tu peux avoir le clic suivant. Et donc une des questions qu'on se pose souvent, voilà, par exemple au Zimbabwe et dans la même vallée du Zambèze dont je vais parler maintenant, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si donc, ces cultures de rente causent vraiment un gros problème pour la biodiversité. Est-ce d'encourager les petits paysans localement à ne pas produire ces cultures de rente hein, pour le marché national et surtout le marché mondial, mais plutôt que produire pour le marché local, plutôt produire des pour la culture de subsistance, etc., pour la consommation locale. Est-ce que c'est une solution à ce problème de déforestation importée? Si tu peux avoir le clic suivant. Bon, il y a ce site web que je vous invite à regarder, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en termes d'exportation de ces dangers pour la biodiversité qui sont dus à la consommation de certains pays. Et donc là, j'ai juste sauvegardé en fait cette photo pour le cas de la France. C'est assez intéressant. Donc si on regarde sur ce site-là, donc la France, la consommation, les consommateurs français, basiquement, du fait de voilà, notre jus d'orange le matin, de notre café, de notre chocolat, etc. On coûte en fait, on exporte donc des dangers pour la biodiversité pour 451 espèces classées vulnérables par l'UICN, dont 28 à Madagascar, 17 en Chine, 17 en Russie, 13 en Guinée. Donc par nos schémas de consommation, par les produits que nous consommons, effectivement, on exporte des dangers sur la biodiversité, on exporte la déforestation. Si je peux avoir le clic suivant. Alors maintenant, je vous invite à passer au niveau de la vallée du Zambèze, qui se trouve dans le nord du pays. C'est là où j'ai fait ma thèse il y a quelques années, et c'est basiquement là où nous avons effectué la recherche que je vais présenter maintenant. Un petit problème de câble là. Ça a l'air mieux. Voilà, donc dans le nord du pays, donc, il y a un grand complexe de zones protégées. Vous connaissez probablement Manapouz, hein, qui se trouve au milieu de cette zone protégée. Mais qui est encerclé par des zones qui sont également protégées, mais des zones de safari, donc où la chasse sportive est autorisée et génère des fonds. Si tu peux avoir le clic suivant. Cette zone de Manapouz est une zone classée patrimoine de l'humanité à l'UNESCO, donc c'est vraiment un parc fantastique. Ça, c'est certaines de mes photos, hein. J'adore ce parc, hein. Je vous invite à passer du temps là-bas si ce n'est pas déjà le cas. Vraiment magnifique, fantastique, c'est un parc, c'est vraiment un joyau du Zimbabwe, je pense. Hein. Le clic suivant. Par contre, on a cette zone-là communale, hein, qui est donc juste, qui abute complètement ce large complexe de zones protégées, et donc c'est une zone dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, si je peux avoir le clic suivant. Donc, moi, je dirais que c'est une zone qui fait partie du grand Manapouz, si on peut dire, hein, c'est une zone qui est collectée, donc effectivement les mouvements de faune, c'est pas une zone qui est complètement séparée, on n'a pas une frontière stricte entre cette zone communale, bien sûr, et les zones protégées. Vous avez beaucoup de mouvements de faune. Par exemple, l'un des assistants de recherche avec lequel j'ai fait cette recherche que je vais présenter, lui avait perdu 66 de ses chèvres en une semaine par un pack de licaons qui avait été relâché à Manapouz. Et donc, un mois plus tard, il s'est retrouvé dans cette zone-là et voilà, consommait évidemment des petits ruminants là-bas. Donc, c'est vraiment une zone qui est absolument connectée. Hein. C'est une frontière extrêmement poreuse pour la faune, pour les éléphants, etc. Donc c'est un paysage qui est partagé par la grande faune et par les hommes. Et ce partage se fait de façon plus ou moins synergistique, mais souvent, effectivement, il y a des conflits, hein. Il y a du braconnage, il y a des gens qui sont régulièrement, j'en parlerai plus tard, il y a des gens qui sont blessés, voire tués par la grande faune. Donc c'est une zone vraiment de partagée entre grande faune et communauté. Si je peux avoir le clic suivant. Alors ma thèse que j'ai faite dans ces zones-là, que j'ai commencé en 2007, donc ce qu'on avait trouvé à ce moment-là, c'est que vraiment le coton, donc je parlais des cultures de rente, hein, le coton est entièrement exporté, très peu utilisé au Zimbabwe. Donc le coton était vraiment le moteur principal des changements d'occupation des sols, de la déforestation, de la perte de faune qu'on avait dans cette moyenne vallée du Zambèze. C'est une zone, donc la moyenne vallée du Zambèze, cette zone communale, qui est assez peu peuplée, donc en fait,
pouvez cultiver autant de terre plus ou moins que votre force de main-d'œuvre vous permet, ou que vos animaux de trait vous le permettent. Et donc le coton vous permet d'avoir, vous permettait en tout cas à cette époque-là d'avoir des revenus qui vous permettaient d'avoir plus de travailleurs qui viennent dans votre ferme, hein, d'acheter plus d'animaux de trait, et donc d'étendre votre surface en coton, d'avoir plus de revenus, et donc encore de pouvoir avoir plus de bovins, d'animaux de trait, etc. Donc d'étendre encore plus votre surface en coton et d'amener plus de travailleurs, etc. Par contre, si je peux avoir le clic suivant, ce qui s'est passé au Zimbabwe, vous êtes peut-être au courant, hein, donc on avait une production de coton annuel qui est autour des 170 000 tonnes par an et qui a complètement craché, grosso modo, en 2011-2012. On est maintenant à peu près 20 000, 10 000 tonnes, je parle nationalement, hein, de coton. Et donc voilà, on s'est dit, effectivement, on a fait beaucoup de recherches pour montrer que le coton, c'était le principal driver des changements d'occupation des sols, de la perte de faune, etc. D'un coup, le coton crache complètement, donc qu'est-ce qui va se passer? C'était super, c'était vraiment une occasion rêvée de voir justement qu'est-ce qui se passe quand le principal driver des changements d'occupation des sols, en plus une culture de rente, est complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce que c'est mieux pour la biodiversité? Parce que c'était vraiment le moteur principal de l'érosion de la biodiversité. Est-ce que c'est pour le mieux? Donc si je peux avoir la slide suivante. Donc ça, c'est une... Ça fait partie de l'analyse qu'on a faite là, donc, récemment, dans les derniers mois. C'est la cartographie qui est faite par Laure Guérini, hein, une collègue du CIRAD. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, depuis que le coton n'est presque plus cultivé dans la zone, c'est pas pour le mieux du tout. En fait, ça a accéléré énormément l'expansion agricole. On est passé en fait en 14 ans de 10%. Donc, quand, en 2007, quand on avait fait cette étude précédente, on avait à peu près 10% de toute cette zone qui était cultivée. Et on est passé à 20% en fait en 14 ans, et surtout le chiffre a été très rapide entre 2006 et 2014. On est passé vraiment de 10% à 18%. Donc en fait, le coton n'est plus là. C'était le moteur principal des changements d'occupation des sols. Mais malgré ça, en fait, il y a eu une accélération de cette érosion de la biodiversité, de ces changements d'occupation des sols. Si je peux avoir le clic suivant. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la population dans cette zone-là, donc de côté, ça c'est les census qui ont été faits au niveau du Zimbabwe, donc effectivement le dernier de 2012 seulement, on en aura un bientôt, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau des populations. On se rend compte qu'en fait il y a eu une croissance très, très faible, hein, de la population pour la zone, la partie est de cette zone d'étude, et même une légère décroissance pour la partie ouest de cette zone d'étude. Si je peux avoir le clic suivant, ce qui est intéressant, c'est que donc, la population n'a pas trop changé ou faiblement, hein, quand on voit les taux de changement de population humaine, donc un très léger accroissement pour la zone est, et même une légère réduction pour la zone ouest. Donc la population reste quasiment la même. Par contre, on voit que les taux de changement d'expansion agricole sont bien plus élevés. Donc ça nous montre qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'augmentation de la population, ces changements drastiques qu'on observe, mais qui est bien lié à un changement pratique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que le coton n'est plus vraiment une culture de rente appréciée au niveau du Zimbabwe. Si tu peux avoir le clic suivant. Alors ça, ça montre la distribution par ferme en fait, hein, de différentes choses, donc de la surface cultivée en coton, de la surface cultivée en céréales, donc surtout maïs et sorgho, du nombre de têtes de bovins par ferme et du nombre de têtes de petits ruminants, donc surtout chèvres mais aussi moutons par ferme. Donc c'est une distribution, vous voyez qu'en fait en rouge c'est la distribution qu'on avait en 2007, et en bleu c'est la distribution qu'on avait en 2020. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à aller exactement dans les mêmes fermes entre 2007 et 2020. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un panel, hein, dans ce cas-là. Donc c'est vraiment exactement les mêmes fermes à 13 ans d'intervalle, ce qui est assez rare d'ailleurs. Donc on se rend compte que les changements, vous voyez, les courbes de distribution pour les céréales sont quasiment les mêmes, hein, donc ça n'a pas beaucoup changé. Ce que vous pouvez voir au niveau du coton, c'est qu'en fait, donc cette courbe qui était assez répartie, hein, cette courbe rouge en 2007, est maintenant très concentrée sur les petites valeurs, donc vraiment des plus petites surfaces maintenant en moyenne sous cultivées en coton. D'ailleurs, si on regarde, on a la surface moyenne a été réduite par 60% si on regarde la moyenne. Et si on regarde même en termes de pour ces fermes, en 2007, le coton était vraiment la principale source de revenus pour 75% des fermes. Et c'est maintenant la principale source de revenus pour uniquement 28% de ces fermes. Par contre, si on regarde en fait ce qui se passe au niveau des bovins et des petits ruminants, on voit qu'il y a une énorme augmentation, et même une,
grosse augmentation des valeurs plus fortes. Hein. Donc on avait, la plupart des fermes étaient vraiment proches du zéro quand on était en 2007. Il y avait vraiment une répartition. Maintenant, on a des fermes qui sont jusqu'à 10 têtes, 15 têtes, etc. de bovins par ferme. Vraiment, une très large croissance du nombre de têtes par ferme. Et la même chose, voire même encore plus drastique pour les petits ruminants. Donc en fait, quand on regarde le changement entre 2007 et 2020, en moyenne, par ferme, le nombre de têtes de bovins ou de petits ruminants a été multiplié par 5 dans l'espace de quelques années. Donc vraiment une très très forte croissance. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a vraiment un shift qui s'est fait du coton à l'élevage dans cette zone-là. Et sans que ce ne soit pas une très bonne nouvelle pour les changements d'occupation des sols et pour la faune. Si je peux avoir la slide suivante. Donc après, on a discuté avec pas mal de groupes de producteurs et donc en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que les paysans dans cette zone-là, le penchage, c'est la même chose dans le sel, dans certaines photos que Gassien avait présentées. Donc, coupe du feuillage pour nourrir leurs animaux en saison sèche, hein, surtout des espèces très acacias, etc., des espèces qui sont vraiment très bonnes, qui sont très bonnes sources de fourrage pour les ruminants. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que le besoin en jachère herbeuse aussi incite vraiment les fermes à bouger beaucoup plus qu'il y a 13 ans. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est maintenant très intéressant d'avoir une jachère herbeuse pour nourrir les animaux. Et donc ça a vraiment nourri cette expansion agricole. Donc maintenant, voilà, les paysans de la zone nous conservent un champ pour quelques années pour ensuite pouvoir justement produire cette jachère herbeuse et passer ailleurs, couper les arbres, produire le peu de coton qui reste, sorgho, etc., sur surface, etc. Et vraiment, cette jachère herbeuse est vraiment très, très valorisée maintenant. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dans la zone ouest, hein, il y avait beaucoup de glossines, tsetsefly, qui sont vectrices de trypanosomose et qui effectivement sont létales pour les bovins. Donc, il y avait très peu de bovins dans cette zone-là, très peu de traction animale, et maintenant il n'y a quasiment plus de TTC, il n'y a plus de glossine. Et donc on trouve maintenant beaucoup de vaches, beaucoup de bovins, même dans cette partie-là. Donc forcément ça nourrit ces changements d'occupation des sols. Si je peux avoir le slide suivant. Alors j'ai collecté un petit peu les données, en fait. Il y a des comptages aériens qui sont assez régulièrement, mais de façon très espacée. Hein. Des comptages aériens qui sont organisés par, entre autres, l'African Wildlife Foundation. Alors j'ai collecté pour la zone, hein, j'ai essayé d'assembler ça pour la zone. Donc pour la zone d'études seulement, qui nous concerne, pour un certain nombre d'espèces, donc on voit vraiment avec une grosse incertitude, hein, avec les barres sont assez entre les points. Mais on voit qu'il y a eu une baisse drastique pour toutes les espèces en fait dans la zone, et même on a plus trouvé de buffle en 2014, un plan de montage aérien, il n'y avait plus aucun buffle n'a été vu. La même chose aussi pour les herbes, donc on voit une grosse baisse drastique en fait de la plupart des espèces de faune dans cette zone-là. J'ai aussi analysé les mêmes données pour les zones plus élargies, les zones protégées, etc. Et on voit à peu près la même tendance également. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement ces changements d'occupation des sols qui peuvent être impliqués. Et il y aurait forcément aussi bon, les sécheresses récurrentes, on le sait, ça a été publié, ont eu un fort impact aussi sur la faune. Le braconnage qui maintenant dans la vallée du Zambèze va un petit peu mieux. Il y a eu aussi une forte poussée du braconnage dans les années mi-2000. Donc ça a aussi certainement eu un impact, on a aussi vu ça pour le nombre de carcasses d'éléphants, etc. dans plusieurs de ces comptages. Si je peux avoir la slide suivante. Alors il y a un programme aussi qui s'appelle Campfire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je sais que certains dans la salle sont des experts sur ce genre de programme, donc le Community Rural Area Management Program for Indigenous Resources. C'est un programme qui permet aux communautés locales de bénéficier de la faune qui est dans ces zones communales. Par la chasse sportive, et donc la valeur des trophées est redistribuée aux communautés, et cette valeur peut être utilisée pour le développement, pour des écoles, pour des schémas d'irrigation, etc., pour autre chose. Et ce qu'on voit, donc ça c'est aussi des données que j'ai collectées pour ce district, on voit qu'il y a une baisse significative hein, depuis la dernière période jusqu'à maintenant, une baisse significative de la moitié, hein, donc moins d'espèces, moins de chasse, donc moins de revenus aussi pour les populations. Donc effectivement, c'est aussi quelque chose qui pourrait être un moteur pour ne pas décourager les populations à convertir en fait tout ce qui est bouche et végétation naturelle, habitat de la faune, en zone cultivée. Et c'est même pire que ça, si je peux avoir le clic suivant. Donc effectivement,
des bénéfices de la faune qui réduisent, mais les coûts de la faune ne sont pas réduits et on continue à avoir là, beaucoup de coûts liés à cette faune. Il y a même des coûts en vie humaine, hein, donc c'est des coûts qui sont vraiment non négligeables, donc on ne peut pas donner ça. Donc ça, c'est aussi des données que j'ai collectées au niveau du district pour les 9 dernières années. C'est une zone, c'est une petite zone qui fait à peu près 18 000 km² avec peu de, à peu près 80 000 habitants et donc des pertes qui sont quand même significatives. Chaque année dans cette zone-là, on a à peu près 4 personnes qui sont tuées en moyenne. On a à peu près 10 personnes qui sont blessées. Quand je dis blessées, c'est souvent de façon assez significative. On a chaque année 68 têtes de bovins qui sont en moyenne, hein, qui sont tuées par la faune. Ça se limite bien sûr les données déclarées, etc. Donc c'est à mon avis beaucoup plus élevé. 166 petits ruminants. Au niveau des granaries, c'est moi, granaries, les greniers. On a 30 greniers en moyenne qui sont détruits, surtout les éléphants. Et uniquement enregistré, mais ma connaissance de la zone me fait dire que c'est beaucoup plus élevé que ça. 634 en moyenne hectares de cultures qui sont détruites par le fond. Donc, comprenez un peu ce qui se passe dans cette zone-là. On a des bénéfices qui sont en décroissance et on a des coûts qui restent très élevés, y compris une fois de plus des coûts en vie humaine. Si je peux avoir le. Donc, en fait, si on résume un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là et comment, en fait, la baisse de la profitabilité du coton est liée, en fait, à une accélération des changements d'occupation des sols avec probablement un impact significatif sur la grande faune. Donc, voilà, moins de coton. Les paysans ont donc shifté sur une autre source de revenus, qui était dans ce cas-là donc, l'élevage. L'élevage a vraiment été un moteur principal des changements d'occupation des sols, donc vraiment pour ces jachères herbeuses, pour avoir vraiment de l'herbe à donner, à nourrir ces animaux, couper aussi bien sûr ces espèces d'arbres qui sont très abêtées. En saison sèche. Très certainement aussi, ces changements d'occupation des sols ont changé l'habitat des glossines, donc moins de glossines a aussi permis d'accroître encore plus donc, ces populations de bovins et de petits ruminants. Mais aussi donc, le fait qu'il y ait maintenant une interface encore plus forte avec plus de contact avec la faune, on voit un accroissement des conflits homme-faune. Qui vont réduire aussi la valeur de la faune, parce que vous avez beaucoup de conflits et peu de revenus, forcément, pourquoi conserver cette faune? Vous êtes plus enclin à déforester pour vos vaches et pour vos bénéfices que pour vraiment conserver ces patches de végétation naturelle qui vous coûtent en fait. Et donc qui probablement ont aussi un impact sur l'accélération de ces changements d'occupation des sols. Est-ce que je peux avoir la note de suivant? Alors en conclusion, donc, en fait, c'est une culture de rente. Il semble que le coton, en fait, c'était pas forcément une si mauvaise nouvelle à la base d'avoir en fait du coton, et même si c'était le moteur principal des changements d'occupation des sols, de la perte de biodiversité dans la Nouvelle-Zélande et du Zambèze, l'alternative apparaît pire. Et donc, en fait, c'est souvent ce qu'on. Je pense que Gatien aussi, dans notre travail, on parle souvent de compromis, hein, de trade-off. C'est très difficile de trouver des synergies, et souvent, on essaie de voir quelle est l'alternative la moins pire hein, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on étudie. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, là, dans la vallée du Zambèze, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits où la biodiversité est encore assez riche, ce sont des zones qui sont souvent une faible densité de population humaine. Et donc, effectivement, là, vous n'êtes pas limité par la terre que vous pouvez cultiver, vous êtes plus limité par votre main-d'œuvre. Et souvent, ces cultures de rente demandent beaucoup de main-d'œuvre, en fait. Hein. Le coton demande beaucoup plus de main-d'œuvre, par exemple, que l'élevage, mais donc, c'est pour ça qu'avec la même population, et quand on shift du coton qui prenait beaucoup de cette main-d'œuvre à l'élevage, et ça résulte dans vraiment une accélération des changements de population des sols. Et je pense que ce n'est pas du tout en fait, un cas à part de la Nouvelle-Zélande. Je pense que beaucoup de ces zones en périphérie des aires protégées sont aussi les fonds pionniers, etc. Où, en fait, les systèmes agricoles ne sont pas limités par la terre, mais sont limités par la main-d'œuvre. Et donc, dans ce cas-là, il est probable que ces cultures de rente, qui souvent sont très intensives, hein, sont pensées au cacao, au café, etc. Permet en fait de sauvegarder un peu l'habitat pour la biodiversité parce qu'elle consomme cette main-d'œuvre. Si je peux avoir le clic suivant. Aussi, je pense que souvent on conceptualise des communautés en périphérie des zones protégées comme des communautés qui ne sont que en recherche de la subsistance et qui sont très heureuses dans la nature, etc. Mais la subsistance, c'est pas forcément des revenus
Mais bon, ce qu'on voit, c'est effectivement que ces communautés-là, dans le monde de plus en basé ailleurs, voilà, cherchent à avoir un revenu le plus décent possible, de l'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et effectivement, si vous avez tout ce prêt, effectivement, de trouver la source de revenu qui aura l'impact le plus faible possible en termes de terre, en termes de consommation d'eau, en termes de consommation d'autres ressources naturelles. Et effectivement, le coton et d'autres cultures de rente peuvent faire partie de la solution. Ce qui s'est passé aussi dans la moyenne vallée anglaise, il y a un an, les gens se sont mis aussi à la recherche d'or, hein, qui a un fort impact aussi au niveau de l'environnement. Aussi, c'est un peu mon message, c'est de ne pas conceptualiser ces communautés-là comme purement à la recherche de subsistance. Et c'est souvent, je trouve beaucoup de programmes par de subsistance, etc. Mais comme partout ailleurs, c'est avoir un revenu décent et vraiment le moteur de ces communautés. Petit point aussi sur la complexité des interactions entre agriculture et biodiversité. Bon, je trouve que le débat, c'est un peu aussi notre problème avec votre agronome et autres chercheurs de simplifier, d'aider, de partager un petit peu nos recherches là-dessus. Mais souvent on a des schémas assez simplistes qui sont faits sur vraiment cette interaction entre l'agriculture et la biodiversité. On pourrait croire que par exemple le coton, c'était vraiment un gros problème dans la vallée du Zambèze et il aurait fallu absolument divertir les paysans de ce coton. Mais ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'en fait, ouais, le coton n'était pas forcément si mauvais pour la biodiversité et que peut-être qu'on aurait dû investir ces ressources-là sur durabiliser, réduire l'impact de ce coton-là, mais pérenniser le coton, parce qu'en fait, c'était probablement quelque chose qui était pas mal pour cette zone-là. On parle aussi beaucoup d'agriculture biologique, hein. Il y a beaucoup d'ONG qui veulent promouvoir l'agriculture biologique dans ces zones communales, en Afrique et ailleurs, où souvent déjà, les communes utilisent très peu d'intrants, très peu d'engrais, très peu de fumier, elles sont parlées également. Et donc, l'extraction des nutriments et donc l'appauvrissement des sols est souvent un gros moteur pour la perte de biodiversité. Une fois que les sols sont complètement appauvris, voilà, les paysans n'ont aucun autre choix que d'ouvrir d'autres champs, etc. Donc souvent, ça pourrait presque être un problème supplémentaire, en fait. On pourrait avoir ce problème d'appauvrissement des sols et d'expansion de l'école. Je me permets aussi de faire un petit commentaire sur les pâtes à tartiner sans huile de palme. Hein. Je pense qu'on l'a tous. Si vous avez des enfants, vous avez tous à un moment donné pensé à trouver voilà, la pâte à tartiner qui n'a pas d'huile de palme, etc. Je pense que c'est aussi probablement mal présenté le problème de l'huile de palme. L'huile de palme n'est pas un problème en soi, c'est la façon dont elle est produite. Effectivement, je pense que la production durable de l'huile de palme devrait être le message plus que dire voilà, on veut les choses sans huile de palme. L'huile de palme, un hectare d'huile de palme produit 21 fois plus d'huile que par exemple un hectare de soja. Donc si vous avez quelque chose qui est sans huile de palme, peut-être que vous avez quelque chose qui n'utilisait qu'un hectare et maintenant qui va utiliser 21 hectares dans le Cerrado sur l'Amazon pour produire du soja et pour faire de l'huile de soja. Donc en fait, toutes ces complexités, on doit vraiment, je pense, embrasser ces complexités et comme je le disais, comprendre que voilà, on n'a que des trade-offs, on n'a que des compromis à faire. C'est très difficile de trouver vraiment des synergies et des win-win. Si je peux avoir le clic suivant. Donc oui, comme je le disais, en fait, tout le secret, c'est d'essayer de soutenir en fait, puisque cette biodiversité est surtout en dehors des zones protégées, surtout avec des communautés dont la principale occupation reste l'agriculture, bah, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir des systèmes de production qui ne sont pas que pour la subsistance, hein, qui permettent aussi de dégager un revenu significatif, hein, parce que donc, ces communautés aussi sont à la recherche d'un revenu, et on les comprend, on est tous dans ces cas-là. Hein. Tout en ayant une demande en terre, une demande en eau, une demande en nutriments, d'autres ressources qui soient le moindre. Et peut-être que voilà, les cultures de rente qui ont été largement pointées du doigt à Glasgow pour la COP26, peut-être que les cultures de rente ont une part là. Effectivement, regardez en termes de marque, regardez en termes de label, peut-être intéressant. Je vais juste montrer ce label, je ne sais pas si vous connaissez ce label en Zambie, It's Wild, qui est, je trouve, très très bien fait d'ailleurs par rapport à ça, qui ne cherche pas à promouvoir voilà, l'agriculture biologique ou une certaine forme d'agriculture, mais vraiment l'agriculture qui est dans le contexte au niveau de la mangrove, etc., qui est relativement respectueux de la faune. Donc vous pouvez acheter du miel ou du beurre de cacahuète produit avec ce label It's Wild, et je trouve que c'est vraiment la voie, en fait, il faut réussir à avoir des labels. Qui puissent permettre de diriger les consommateurs vers ces produits qui ont vraiment une empreinte réduite.
Et pour conclure avec une grande phrase, je dirais qu'effectivement, nos consommations, je vais avoir le clic suivant, et le dernier clic, c'est que voilà, manger, consommer, c'est un acte écologique. Et donc, on a, je pense qu'on a un consommateur, un devoir, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on consomme, et au-delà, peut-être des idées reçues de la pâte à tartiner sans huile de palme, etc., mais vraiment de l'impact véritable que ces produits ont sur la biodiversité et sur l'environnement. Merci beaucoup.